entente cordiale à Jacques Richepin, dès que Falière eut débarqué sur le sol d'Angleterre, son vieil Édouard sur le quai lui dit « Eh bien, gros-père, a-t-on bien vomi ? Pardon, bien dormi, en traversant la Manche ? Sire, comme un noir, pardon, comme un loir, tout en faisant la planche. Parbleu, voilà qui est parlé. Mais, à part ça, j'espère que ça va comme vous voulez. Votre teint est prospère. Oui, ça va, ça vient, comme la queue de mon chien. Mais vous-même, si j'ose, mon cher Édouard, vous êtes flambard, comme de noce un chose. Oui, donc, je suis assez content. Je me sens très en forme. Il faudra d'ici peu de temps que dans Paris je dorme. Car Paris, ma foi, est le seul endroit où je suis à mon aise. Et puis, rien n'est bateau pieux, comme vos agrès françaises. Mais à propos, mon président, et cette vieille vigne, aurons-nous du vin abondant cette année et plus digne que le loupillon? Sauf respect, mon bon, que vous m'avez fait boire tout dernièrement, véritablement, il m'a fichu la foire. Ah, sire, ne m'en parlez pas, il me vient des nouvelles, plutôt fâcheuses de là-bas. La saison fut cruelle. Si bien que le vin, que cet an prochain, vous boirez chez moi, sire. Si j'ai cet honneur, sera par malheur, peut-être encore pire. Conduire un peuple, ça n'est rien. Qu'une simple aventure, mais quel métier de galérien que la viticulture. Que de tact, de soin, la vigne a besoin. Il faut s'occuper d'elle, sans relâche, étant délicate autant comme une demoiselle. J'ai mis 40 ans environ, c'est à peine croyable pour devenir un vigneron. J'ose dire passable, tandis quand je fus flanqué de mes fûts sur le trône de France, sans m'évertuer, j'appris le métier. Rien qu'en une séance.